48 48 heures. heures. Je sais pas si il troll encore Loli. Il a marqué quoi? Il a marqué: nous on troll la vérité, les frères. Juste, on va avoir du contre-temps de 48 heures, mais je vais tout vous expliquer en live. Merci la mif d'être là en tout cas. Bon, bah écoutez les gars, on va rester en discussion. Ça fait plaisir. J'y troll, frère. Ah, vas-y, c'est un gros troll. Vous dire. J'ai pas envie de me prendre la tête. Là, c'est pas les rigolades de d'habitude. Ça, tout ça. Il ça, a le sourire. J'ai pas envie de me prendre la tête parce que je vais commencer à insulter des mams. Moi, je vais aller jouer à LOL parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Non, ouais, il troll. Pas, de troll non, Zwayf. Zwayf, il est en train de jouer la comédie, frère. C'est du gros troll. Ces fils de pute, ils sont en train de faire du troll. Il attend de faire monter les viewers, ce fils de chien. C'est pas jouer, c'est pas taffer, c'est rien faire. Mais jurez, ça s'embrouille pour de vrai là. Mais moi, j'ai dev, wesh. Putain, rigole, t'es dev rien du tout, t'es rené. C'est pas dev, tu sais rien faire. T'es là, tu parles depuis hier. Image, commence à me dire, je sais faire les portes, frérot. Ça fait 4 jours, on t'attend, frère. Non, c'est 48 heures. 48 heures minimum, ça sera bon, mais vas-y. Du coup, je suis plus dev. Mais poteau, est-ce que t'as déjà été dev, Pélo? C'est bon. Les gars, c'est du troll. Bon, c'est quoi qui nous annonce là que ça ouvre là? C'est quoi qui dit? Bon, vas-y, dis que ça va reconnecter. Là, il... Ah, c'est vraiment 48 heures là, c'est pas du troll. Attends, fais 48 divisé par 8 par 6. Ça veut dire la V6 dans 55 secondes. Niquez vos mères, niquez vos mères. Voilà. La V6 dans 55 secondes. La V6 dans 55 secondes. En fait, là, tout à l'heure, j'attendais, je me suis dit putain, mais il le fait vraiment long son troll. Il l'a vraiment fait trop long. J'arrive à lui refaire cette tête, je suis très bien. Tu sais que Bichou, c'est vraiment ta on va dire dernière chance que là t'ailles sur Flashman. Comment ça? Genre après c'est bon, ça y est, ciao. Frère, je suis RP gros. Ouais, mais... C'est au niveau des persos oui, que vous parlez. T'es RP, t'es tout ce que tu veux, t'es fort et tout, etc. Mais à un moment donné, faut que t'arrêtes de chier sur les gens. Ouais, qu'est-ce que t'as? Tu fais le mec distant là. Il est de retour. Le jdoun. Quand je veux lever le bras, j'ai dit voilà, non mais je vais tout vous raconter. On est allé à la salle, j'ai pas réussi à dormir. Je n'ai jamais eu autant de courbatures. On a fait les pecs et vous voyez, je vous ai toujours dit, moi les pecs c'est mon point faible. Moi biceps c'est biceps et genre les trucs comme ça et tout, tu vois. Mais ça, les pecs, développé couché, les frères, j'étais là, je poussais. Oh, je poussais, mon bras, il est comme s'il avait plus de batterie. Oh, je poussais, mon bras gauche, il tenait plus longtemps que mon bras droit. Et au bout d'un moment, je poussais, et genre, là, frère, il m'a fait galérer. Ça veut dire, en gros, il me disait, ouais, là, tu vas sur le banc de développé couché, tu te cambres, tu serres les omoplates, et tu pousses comme ça, tu vois. Et moi, je le faisais, tu vois, comme une petite pute. Ah, qui respire par le cul, là. C'est bon. Tu en comprends ou pas? Oui, c'est bon. Donc tu vas te dire excuse-moi Dan et tu vas lui faire un bisou sur la balle, d'accord? Il se mange pour Omar, non? Pardon, Dan. Hein. Et il lag bon, en plus, cet imbécile. Si tu n'étais pas un petit peu de sang de la famille, tu serais déjà 6 pieds sous terre avec les poissons. Par contre, il a trop du feu, mon perso, en vrai. Hein. Désolé, Dan. Nettoie donc les chaussures à tout le monde ici. Bon, Bon, par contre, Don, là, vous commencez un peu à... Non, écoute, nettoie mes chaussures. Ok. Je vais prendre la voiture. Pardon, Don, c'est bon. Mais attends, ton père, c'est le mec qu'on a balancé de l'hélicoptère? Non, c'est pas lui, moi, je suis le fils de... Roberto. C'est lui, je crois bien, ouais. Ah, c'est le café des ricochets sur le... Ah ouais. Tu te rappelles de cette barre? Il m'avait fait des ricochets. D'ailleurs, il est où le Don? Qu'est-ce que t'en as fait? Ton père, il m'a coûté 200$. Il est arrivé, il est en train de finir sa cigarette dans la voiture. Dis que tu venais de quelle famille? Maridia. Une famille de traîtres alors, du coup, la Maridia? Non. T'es en train de jouer avec mes couilles, en fait, depuis tout à l'heure. Ah ouais, donc là, on me pisse dessus. C'est à cause de vous que toute la famille était tombée. Là, c'est Pip. La deuxième famille des Gambines. C'est à cause de vous que tout le monde était tombé. Mais moi, j'ai rien à voir là-dedans, j'avais 8 ans. Tout le trafic entre 80 et 90 c'est du même sang. À cause de toi, ça veut dire que toute ma famille est tombée. Mais j'avais 8 ans, j'ai rien à voir là-dedans. Donc là, ouais, c'est pipi. Tu sais que je vais te mettre dans l'acide. Et je vais voir combien ton corps va tenir dans l'acide. Mais j'ai absolument rien à voir, pourquoi vous voulez mettre dans l'acide? Mais je rigole. T'as vu sa tête ou pas? Ah putain, il m'a regardé. Ah ouais, vraiment, sa tête, elle s'est décomposée. Oh, il était merveilleux, il était vraiment merveilleux. Et j'ai rien à voir avec tout. Je l'ai senti. Ce serait malheureux que l'un d'entre vous se retrouve à dormir avec les poissons. Après, moi aussi, je fais partie de la famille. Mais ça vous empêche pas de tous me pisser dessus. Hein. Si vous voulez aussi vous débarrasser de votre bras droit, je le ferai avec plaisir. Il a pas besoin de vous, hein, franchement. Attendez, vous êtes en train de dire que Don, il a besoin de vous? Que du coup, vous avez plus de puissance que lui, c'est ça? Jamais, hein, je ne permettrai. Vous manquez de respect au Don? Il vous a manqué de respect, Don?
Donne... Amenez-le, transportez-le, faites-le dormir avec le passager. Moi ? Allez, débarrassez-le. Mais pourquoi ? Non, mais non, mais arrête, c'est bon ! Arrêtez ! Non ! C'est bon ! Mais laissez-moi tranquille ! Viens par ici ! Arrête ! Mais j'ai rien fait ! Mais non ! Je savais qu'il est péri. Je me suicide ! Je me suicide si t'avances ! Si t'avances, je me suicide ! Non ! Non ! Hop ! Perso victime ! Fini ! Je sais pas. Oh là là ! Je m'avance sur ça. T'as combien de dollars là ? Le coiffeur, il marche pas. Le coiffeur, il marche pas. Même le coiffeur, il marche pas. Ah ouais, ben oui, il y a des salons de coiffure maintenant. Comment ça, il y a des salons de coiffure ? Oh non ! C'est un admin troll. Non, je te jure, je crois que c'est un admin. On va assister à un malaise en live, tranquille. Non. Eh, hey, je suis un sportif, moi, de base. Hein. Moi, je suis un sportif de ouf, de base. Hein. On va redescendre à 1000 viewers. Tu sais quoi, on fait un prank à Thomas. Oh, quand il lance, personne va sur son stream. On reste tous là. Tu sais qu'il va stresser un peu quand même. Je te jure, il va se poser des questions. Oui. Vous cherchez des effectifs à combler? J'ai un petit zizi, vous m'entendez? Dans quel domaine, monsieur? J'ai un petit zizi. Vous m'avez entendu là ce que je viens de dire? Ouais, je vous ai entendu. J'ai vu que sa mère c'est une pute. Vous avez entendu que j'ai dit que j'ai un petit zizi? Je l'ai entendu aussi, ouais. Ah, désolé. vas-y, pas. Pourquoi pour attends, mais ils sont nombreux, frère. Attends, je prends quand même le risque, t'as vu, mais. Attends. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah oui. Bon, il y a pas encore le mapping. Ah, oh, je t'ai prévenu. Ah, s'il faut qu'on se fasse de la concurrence, toi et moi, y'a pas de couilles. Écoute, tu me déclares la guerre là, dans le monde d'état, ou quoi? Ah, je te déclare la guerre, je vous déclare tous la guerre. Vous ne voulez pas mes clients, d'accord? Eh, hey, la vie de ma mère, j'ai mes clients, arrête. Eh. Attends, mais je rêve. Mais t'as acheté le même truc pour que ça sente bon dans ta bagnole? T'as acheté le petit arbre vert là, t'es sérieux? Mais alors, c'est le truc pour sentir bon, c'est. Eh, hey, commence pas. Elles sont où tes règles là pour le coronavirus? Elles sont où tes protections? Ouais, écoute, les protections c'est à l'intérieur, y'a un masque. Y'a rien, frère. Mais c'est un masque que les gens ils utilisent, espèce de dégueulasse, frère. Et alors, c'est. Je me fais de l'argent. Hein. Arrête tes couilles! Ah, me vole pas mes clients! Comme on peut. Me vole pas mes clients. Me vole pas mes clients. Magasin de. Pourquoi je fais le cri de Kefka, putain? Carton live, la vie de ma mère. Ils vont nous niquer sa mère. Va à gauche. Allez face, là, allez les gars, on va leur apprendre le respect à ces petites putes. Va à gauche. Cache-le. Va à gauche. J'étrangle le putain de conducteur. Tu vas à gauche. Avant qu'on t'explose toi. Tu vas à gauche. Allez, dépêche-toi là, allez. Oh, tu m'entends ou pas là? T'entends, ouais. Ouais. Allez, tu remontes toi. Allez, venez les gars. Toi, y'a un... Arrête-toi. Vas-y. Arrête-toi. Pas de qui je suis. Donc pas. Là, allez, bon les gars, allez. Dis tes potes allez. Qui suivent pas. Allez, attrapez-les, ferme ta gueule. Comment ça, okay. Dis à tes potes qui suivent pas? Ok. Ferme ta gueule, descends là maintenant. Descends là. Descends. Allez, je passe là, je vais te casser la gueule. Allez. Ah, excusez-moi, chef, vous devriez pas faire ça, c'est une meuf. Circule. Ah, je me gare, moi, tranquille, moi. Genre, ça va, doucement, wesh, qu'est-ce qui vous arrive? Ça se lève déjà des gens. Bonsoir, attendez, s'il vous plaît, d'accord, je peux parler, s'il vous plaît, ou ça se passe comment? Vous avez contacté un chauffeur Uber, s'il vous plaît, ou pas du tout, parce que j'ai reçu un appel ici? Non, pas du tout, man, pas du tout. D'accord, pas de problème, donc, ok, pas de problème, mais c'est pas obligé d'autant crier, je demande simplement, pas de problème, au revoir. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée, casse-toi. Alors, tu vois, alors il y en a un, frère, je te jure, j'ai failli sortir du rôle. On regarde le compteur et on voit ce que ça donne. Moi, je m'appelle Ross Da Costa, je suis d'origine colombienne, j'ai débarqué il y a pas trop longtemps, et je suis là pour me faire des contacts, je suis même pas là pour te draguer. Hein. Je suis pas convaincu. Moi, je fais, ah, t'as vu, si t'as mon numéro de téléphone, hop, tu m'envoies une position, je te récupère en tant qu'Uber, tu vois. Toi, tu travailles quoi? Tu travailles au Belize? Si, je suis la patronne. Regarde, la patronne en plus, eh, dis-moi par hasard. Oh merde! Oh aïe, putain, merde! Aïe. Oh merde! Oh putain! Tu peux même customiser ton cœur.
Enfin, je peux... Patronne. Non, je peux, ça m'intéresse je peux, pas, ça. Je peux même peut-être potentiellement customiser le cœur des demoiselles et des messieurs. Les jantes, le nacrage, l'intérieur, le bully, tu vois, tout ce qui ça. Tu vois, une bagnole, c'est un peu comme une meuf qu'il faut bien entretenir, tu vois. Une meuf, par exemple, si tu lui payes pas des beaux vêtements, tout ça, elle va devenir moche, tu vois. Et bah, une bagnole, c'est la même chose. Quand t'achètes une belle bagnole, t'es censé normalement l'entretenir, lui porter des petites attentions, tu vois. Loli, il pense que je le vois pas me TP, frère. Il pense que je le vois pas en train de me spec. Vous avez été téléporté par Loli Pokike, il pense que je le vois pas, frère. Oh là là, faudrait vraiment que j'ai vraiment une bonne conduite quand même. Putain, Ross, va vraiment falloir que tu te reprennes en main. Faut vraiment que je me reprenne en main au niveau de ma conduite, bordel. Je suis pas gentil, sale pute, c'est quoi, ouais, je suis ton ennemi. Viens par là, et c'est ma bite, mais termine avant midi. En plus, ça fait deux balles, tu sens la mort, viens pas te plaindre, il me faut délover le balance. Mais avant, faut que j'aille t'éteindre, hein. Sorti de la merde pour mieux voir la vie, rien que tu bavais, c'est moi la bite. À fois que le 17, ouais, toujours les mêmes. Bavure sur bavure, on va mettre les chaînes, on a trop de haine. On va exploser. Deuxième alerte, t'es déjà matriculé.